Yo, 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 guys. Un autre épisode des Chroniques des Alcooliques, mais un spécial. On est en direct du Fisteux. Vous savez déjà, centre du Sablon, on est là. Yo. Live. Ouh. Et vous savez déjà, on est là. Faut nous brer. Exactement. Je suis votre host Hollywood, The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardi Lac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et puis, Edley est là aussi, oui. Edley est là, oui. Edley en mode technique aujourd'hui. Ah ouais, ouais. En vrai? Joue avec soi. Gère les bails. Let's go. Et déjà, soit on est dans l'ambiance. Let's go. Fisteux, vous savez déjà, c'est live. Let's go. Yo, guys, comme on vous a dit, on est au Fisteux live. Uh-huh. Ça bombe. L'ambiance est on. Sur notre premier invité aujourd'hui. Quête. Aïe, aïe, aïe. On a quelqu'un de très spécial. Parce que sa job au Fisteux est très importante. Je suis dans la merde, là. Je calcule que, yo, il est plus solide que Hollywood, oui, sur le mic. Oh, shit. Donc, qui on a aujourd'hui, là, avec nous, dans l'ambiance? On a Gaël. Les boys. Les boys, moi, j'avais hâte d'être invité un jour. Okay. Là, vous venez me faire chier pendant que je travaille. Je vais être complètement bourré. Là, Alex Kenol, il va me voir, il va me foutre à la porte. Yo. L'année prochaine, c'est vous qui animez, hein? Calculé, il va dire, Gaël, j'aurais dû checker Hollywood. On est dans la happy hour, là. C'est ça le droit. C'est vrai, c'est vrai. On est dans la happy hour. Il sait que c'est la happy hour. Et sinon, il y a DJ Jérémy, Magic, qui va être là, Jerry. Tu vois, j'ai des jeux, je l'appelle Jérémy. Mais Jerry Magic est là. Il va prendre le contrôle au père. Il va venir tout à l'heure. J'ai donné aussi le contrôle de mon micro déjà. It's all good. Puis attends, laisse-moi savoir comment est ton expérience. Parce que là, toi, tu es là depuis hier. Ouais. Fait que là, comment ça se passe? C'est très chaud. Attends une minute. Vas-y. Tu vas donner cette même explication pendant qu'on joue. Beer pong? Là, ben oui, ben oui. T'es tout ça? Moi, je suis là déjà. Je suis quand même bon. J'ai joué au basketball, moi, au secondaire. Oh, okay. Yo, je vais vous niquer votre race. Attention, ça va être fini, ça. OK, Gardi-là, ça va représenter LCDA. Comment était ton... Comme l'expérience. Parle-nous de ton expérience en même temps, là. Puis je peux shooter en même temps? Ben oui. L'expérience... c'est bien parce qu'il y a plusieurs styles de musique. C'est chaud, c'est gratuit et il y a des belles femmes. Ah, merde! OK. OK. One out! Ah! Quand dis-là que tu me représentes? Ok, je l'ai, garde, okay. Garde. Oh! Oh! Shit! Est-ce qu'on donne yo, ma prochaine question. Vas-y, prochaine question. C'est quand t'as calculé à commencer à animer, puis yo, vraiment prendre le vibe de ça, vraiment animer paquet de show, parce que je t'ai vu au Dynasty, puis tu l'as dead. Dis, ah, oh, merci, mon gars, t'es gentil. Okay. Là, tu sais quoi? Là, ça va commencer, parce que là, à 6h, je pense qu'à 8, à 7h30, là, je vais vraiment être chaud, là. Je vais être bien, là. Yo, les gars, vous êtes vraiment poche. Yo, attendez, on est pourris, là, attends. Oh! OK. Là, j'en ai. Oui! Oh! Off! Oui. Gardi, off! C'est comme ça que ça se passe. Allez, ça boit. Pose-moi une question. Bois plus. OK, puis là, aujourd'hui, samedi, ben, paquet d'artistes. Mais c'est j'ai quoi soif. Ton premier show que t'as animé? Oh, c'est un désastre. J'ai animé un festival de cinéma à mon école et le gars, à la fin, il me dit « Je pense que t'es pas fait pour être animateur. » Oui! Oui! Yo, Gardi, là, tu nous représentes comme mal. C'est comme ça que ça se passe. Gardi nous représente. Tu poses moins de questions, tu bois plus. Très mal. Donc, une dernière. Allez, Gardi. C'est quoi le show que tu as le plus aimé animer? Métro. Oh! Let's go! Let's go! OK. Let's go! Enfin, Gardi, là, qu'on a réussi une. Poyet! OK. Ah, Gaël, merci, c'était les derniers. C'est tout? T'as dit métro? Ouais, métro. Métro, sa mère, je pense. Métro. Non, okay. Incroyable. Mais quoi, il y avait 23 000 personnes quand même. C'est incroyable pour de vrai. Mais, OK, je fais un mais. L'événement que j'ai le plus de plaisir à animer, c'est Gala Dynasty. Oh, Black okay. Carpet. Parce okay. qu'on est notre communauté, tout le monde est beau. C'est le gala le plus fun, c'est le plus beau Black Carpet. On s'emmerde pas, il y a de la bonne musique. Bref, c'est le meilleur, c'est notre BET Award qu'on a ici, c'est moi qui l'anime, le Black Carpet. Let's go! OK, moi je m'en vais. Merci d'être venu. Merci, on va te laisser retourner à ta job maintenant. Let's go! Merci. Allez, ciao, Hollywood. Yo, on est back encore, l'ambiance toujours on. Mais là, on est avec quelqu'un qui crée l'ambiance au Fisteux. Sans lui, il n'y a pas de beat, non? On m'appelle l'ambianceur. L'ambianceur. On a DJ Jerry Magic dans le building. Le mixeur, le DJ. Ah, les gars, pour de vrai, c'est incroyable ce que vous faites ici. Pour de vrai, là, yo, juste amener l'ambiance, l'énergie de la chronique des alcooliques et le 50% de ta fière vous avez donné aujourd'hui. Oh, mon cher, tu sais déjà. Fallait donner un petit bail. Tous ceux qui ont manqué,
Ma bi. 50% sous le taf. L'alcool, okay. C'est de l'eau. Vax, vax. Bon, yo, Jerry, on va jouer un petit jouet. Ok, ok. Je vais te poser des questions pendant qu'on joue au jouet. Ok, sur ce bail, on a trois chances chaque. Trois chances. À date, première question. Ton expérience au fisteux, comment t'aimes ton expérience? Money! C'est ça des vrais bails! Ok, c'est. Avant de répondre! Est-ce que t'as vu la motion? Est-ce que vous avez vu la motion? Poyette! Non, tu comprends? Non! Ah, c'est des gars athlètes! Poyette! Athlètes! Ça, oui! Athlètes! T'as donné le. Lui, vous avez vu la main? Vous avez vu la garder quand il shoot? La main va par là, c'est vraiment coqué! Un peu plus, t'aurais dit Kobe! Non. Juste un petit. Un. Ok, bon. Mon expérience incroyable en tant que DJ pour de vrai, juste être capable de set le pace et aussi rencontrer beaucoup d'artistes que d'habitude on n'entend pas régulièrement. Et avoir leur musique dans mon laptop que je peux rejouer. C'est ça mon expérience. Incroyable. Nice, incroyable, nice, incroyable. Nice. Bon, je vais te laisser prendre ta shot mon avant, cher avant ben. Ma prochaine question. Bon, là, il faut que je vois. Oh, oh, too bad, bro. Deuxième question. Let's go. Parle-moi de ta meilleure expérience en tant que DJ. Ma meilleure expérience. Oh, vas-y. Ouh. Oh, t'étais sûr. OK, ouh. Bon. Ma meilleure expérience en tant que DJ, j'ai eu un mariage en Grèce dernièrement où je mixais, c'était sur une croisière avec 160 personnes. On est parti en Grèce dans une grosse villa. Shout out Chad, Damor, Marilyn, c'est leur mariage, leur renouvellement de mariage. Puis c'était incroyable, c'est yo bro, j'ai vu des choses que en pile quoi, en pile moon, en pile quoi, en pile moon, en pile quoi. Yo, prends ta chance, c'est à ton tour, c'est à ton tour. Ok, yo, il faut que je fasse boire au moins un petit bite, vas-y. Juste un drink là. Oh. Ah. Et ma dernière question pour toi, ta pire expérience en tant que DJ? Pire expérience en tant que DJ? Pontoing. C'est ça, hein? Ok, c'est dur à dire. Ok, pire expérience en tant que DJ, j'étais booké dans un genre de engagement qui ne s'est pas tourné en tant qu'engagement en réalité. La femme a dit non. Oh! 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 Belle exclu! C'est le awkwardness, c'est le awkwardness. So, anyways. Yo, ça c'est pas pendant que t'as mixé, t'as pas mis le petit sound. Non, je peux pas faire ça, mon cher. Non, c'est passé avec le stock, puis regarder le monde triste. Yeah! Ok, en tout cas, ça c'est moi. En tout cas, Jerry, merci. Yo. Merci d'avoir t'emprunté à notre jeu, mon gars. C'était super dope. Shout out à vous, guys. Continue à mettre de l'ambiance. Nami, l'ambianceur. Kafia on deck. L'ambianceur, on t'a dit. Contactez-moi, guys. Merci, bless up. Jerry Magic, let's go. Yo, guys, you already know what time it is. Bon petit vibe. Kafia qui se donne normal. Yes, sir. Normal. Yes, sir. Donc là, on a un autre DJ. Mais lui, il est DJ pour un collectif qu'on va... On va lui poser les questions pour savoir c'est qui le collectif. Yo, son aka, t'as 100 là! Ah ouais, DJ Colombo, t'as dit? Yeah, t'as foiré l'affaire. Yo, c'est complot! Complot, yo! Complot! Non, yo, aka, t'as 100, oui! Faut refaire ça, faut refaire ça, faut refaire ça. Non. Faut refaire ça, donc DJ Colombo, mais c'est pas vrai, DJ Complot! Faut refaire ça, faut refaire ça. Complot, comment, non? J'ai fait complot sous nous! Pou, DJ Complot! Yes, sir. Ok, là, DJ Complot, on va jouer un petit jeu. Beer pong. Ça, c'est le jeu de la famille, ça. Ah, yo, bon, ok, mets-toi là, mets-toi sur le côté. Vas-y. Trois chances, vous avez trois chances chaque. Donc, pose-lui les questions que tu as à poser, il va te poser les questions. Pendant qu'il te pose les questions, première tu réponds, question. Tu shots. C'est quoi le groupe Remastered? Remastered, c'est un collectif de musique auquel on produit, on fait des events, puis on gagne des games de beer pong. Oh, ok. On gagne des gangs de beer pong parce que j'ai manqué celle-là. T'as manqué celle-là, ah. Yo. T'as manqué celle-là, lettre. C'est quand... Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as mixé dans un gros event? Puis t'es comme, get, t'étais shook. Fuck. Ben ouais, for sure. Oh! Oh. Okay. You got a drink, my G. You got a drink? Attends, j'ai... Attends, je peux... Ok, on va... Ah, tu dois boire pareil! Ouais, tu dois boire pareil! Tu dois boire. Boy it! Laisse-moi pas ma cocotte alors. Laisse-moi mon bébé. Non, bois de la bière. On veut que tu sois des babas sur le stage tout à l'heure. Let's go! Oui. Ok. Shit, mon premier shit on stage. Le bleu, man. Ça c'est de mon aim. On y va. Check. Ça, c'est juste pour toi. Quête. Il te reste une shot en plus. Fait ok, une des fois. Quête. Je pense que c'était. Où j'ai DJ, shit, j'ai commencé par MC, no cap. Okay. So, j'ai commencé par MC à la base avant DJ. Okay, so, okay. Le biggest shit, c'était Mural Lassier. Oh! Yeah, okay. Come on, nice. Yes, sir. Okay.
Allez, gars, du lac. Yo, chill, chill, t'as pas tout ça là. Yeah. Oh, oh. What's next for DJ Complot? Damn. Bosh. On essaie de sortir de la ville là. Là, je reviens de New York. Avec de New York, ok, nice. DJ oh, nice. Hive IB. Hive IB, c'est une grande DJ internationale. Ok. Qu'on a ramené avec mes gars de Social Club à Montréal. Au Frochensco, on a go crazy, you know what I'm saying? Nice, allez, check nice. It out, Gram, on let's a go crazy. Go, let's yo, last go. Shot, last shot, last let's shot. Go, let's go, shit. C'est ton allez, last shot. Vas-y, vas-y, vas-y. Last shot. Ah. Get, ok, Complot. DJ Complot. Merci. T'as pas de shot. Écoute, j'ai pas de shot. J'ai pas de shot. Shout out à DJ Complot. Shout out les gars. Let's go. Y'all not like us. Y'all not like us. Ok, ambiance. Y'all not like us. Woo! Cat, l'ambiance est à 5 ici. Maintenant, on a une autre personne très importante par rapport du fisteux. Ben oui. On a Olivier qui est un... Je vais l'appeler le gestionnaire. Monsieur Abchéri. Mon gars. Et un content creator pour la culture hip-hop aussi. On okay. va le donner. OK. Woo! OK. Donc, yeah. Oli. Yes. On va jouer un jeu. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que moi, je suis Kobe, là. Je suis prêt depuis 7h30 ce matin. Oh, OK. We good, we good. Donc, on va okay. te poser des questions. Il va te poser des questions. Vous avez 3 chances chaque. Ouais. Beer pong, rentrez vos shots. Parfait. Et vous savez déjà le but ma du jeu. Ma première question. Yes. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir participer, être un membre du Fisteux, du festival Fisteux? Oh! C'est Alex Kenol qui est venu me chercher, en fait. Dernier événement que j'ai organisé. Ouh! Dernier événement que j'ai organisé, il est venu me chercher. J'avais avec M. Nkosi qui était présent. Donc, c'était un événement pour promouvoir l'excellence noire à travers l'entrepreneuriat, la bouffe, la musique. Donc, Alex Kenol est venu, il a aimé comment ça se passait. Et il m'a fait en sorte que je m'occupe des kiosques cette année, un peu comme j'avais fait avec l'événement. Donc, that's what it is. Nice! Okay. Nice! Puis comment toi puis Alex, vous êtes connus pour vraiment... Hein? Nkosi! Ah, Nkosi! Ah, OK. Attends une minute. C'est la pièce angulaire, là. Oh, ouais, ça. Il a dit c'est Nkosi. Shout out à Nkosi. C'est un peu la plug. Nkosi, c'est réel. C'est réel, ce gars-là. Ah. OK. Vas-y, Gardilac, pose-lui une autre question. Dernière question. C'est quoi tu vois du hip-hop au Québec en 2024? Est-ce que tu es fier de ça? Est-ce que tu es comme, oh, il y a beaucoup de place à l'amélioration? Dis-moi, c'est quoi ton take sur ça? Un peu les deux. Il y a place à amélioration, en fait. I gotta drink that. Tie game. OK. Il y a place à amélioration dans tout ce qui est business level. Il n'y a aucune place à amélioration dans la portion artistique. OK. Il n'y a aucune place à l'amélioration de oui, ta oui. shop. Chaps. Okay. Il y a plein de place, mon gars. Okay. Dernière, yo, vous êtes rendu à combien de shots, là? J'aime pas suivre. Non, c'est notre troisième. We good. Donc, tu dirais qu'il y a beaucoup d'amélioration à faire du côté business. Du côté business. Définitivement. En fait... Les gens, ils pensent trop que le rap, tu peux pas en vivre, donc considèrent ça beaucoup comme un plan B, donc ne s'entourent pas d'équipe, ne s'entourent pas de gens qui sont compétents dans les domaines qu'eux ne le sont pas. Oh, okay. So, ça, c'est oh, ma contrainte. Oh, extra shot, oui? OK. OK, ben yo, c'est bon à savoir. Content que tu sois venu chill avec nous, les Chroniques des Alcooliques. Puis j'espère que tu vas être là pour les prochaines éditions du Fisteux encore. Définitivement, mon gars. Okay. Super dope, man, super de poli. Chaud, c'est chaud! Ok, yo, Gardilac. Yo, bon, on est deux devant sur les invités, là. Normal. On est deux devant. Non, j'ai perdu. Mais t'as oh, non, perdu? Ouais, on a deux victoires, yo. Une défaite, vraiment. Roulé, Kobe! Let's go. So là, maintenant, on a un fellow podcaster qui est là avec nous. On a Ice de La Vie d'un gars, hein, c'est ça? La vie d'un gars. I like that. Bon, ouais. Maintenant, pendant que t'es là, on va jouer un jouet. Ou tu peux te dire placer, oui. Toi, tu veux te placer. On a trois chances chaque. Je vais te poser des questions pendant qu'on lance. Il n'y a pas de problème. Première question. La vie d'un gars. Comment tu as commencé ça avec ton team? Yo, je suis juste venu sur eux, puis j'étais comme, yo, je vais faire un podcast. Ouh! Tout le monde fait des podcasts. Je vois pas pourquoi nous, on peut pas faire un podcast, you know? Oh. Mais on lance, okay. Yo, il a raté sa shot. Non, mais là, tu vas prendre ta shot, mon cher. Oh. Okay, t'as... Non, avec le mic dans tes mains. Ah!
Ah, ah, rookie! Fait rookie! Rookie! Vas-y, vas-y, ça toi. Non, mais la question, t'as répondu. T'as dit, OK, tout le monde faisait des podcasts. Bon, c'est parfait. Et qu'est-ce qui t'amène au fisteux aujourd'hui? Yo, ma femme m'a dit, yo, il y a un festival dans le Laval. J'étais allé voir les festivals. J'étais allé au truc des pompiers. Ah! J'étais allé au truc des pompiers à Montmorency. T'es tout dans Laval, là. J'en vais là, mais. T'es venu prendre le 50%, hein? Dis la vérité. Yo, t'as tout MCDA. 4 à 6, normal. Normal. Ok, ok. MCDA. Yo, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. 4 à 6, normal. Vas-y, fais un bail, là, s'il vous plaît. Ok, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis pas Kobe, là. Mais attends. Ray Allen. Oh! Ok. Ah, ma wow. Dernière shot. Il a dit Ray. Il a dit Ray. T'as envie de dire n'importe quoi. T'as envie de dire Jason Kidd. Et le podcast, c'est où, tu veux, c'est où tu veux amener le podcast? Pour de vrai, on chill, on dit les bails, mais c'est quoi ton but avec ce podcast-là, pour de vrai? Moi, mon but avec ce podcast-là... Ouh! Kobe! 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 C'est quoi? Quoi? Le là, fait... il faut que la balle. Le fait qu'il l'a rentré, il m'a donné ma réponse. Moi? Je veux scorer avec ce podcast-là. Oh! OK, boué! En tout cas, boué! 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 OK! Yo, c'est ta dernière shot, ta dernière shot. Tu fasses boire. Yo, c'est ta dernière shot. À du niaiser, là. On va y aller comme ça. Oh! OK. Il est en mode rookie. Ah! Yo, et pas ton mode B. On est belle. Je m'attendais au bounce. Yo. Et pas ton mode B. Yo. Ice, merci d'avoir prêté au jeu. On va te laisser aller chill avec ta famille dans le fisteux. Allez prendre les 50%. Let's go. Yo, on est back. On a Emmanuel Ayo avec nous. Hey, yo, vous avez vu avec le bonnet? Tu sais déjà que c'est un artiste. C'est qu'on a des artistes. D'un autre style. Ouais, on a des artistes de tout genre. Il va nous expliquer justement. Pendant qu'on joue aux jouettes. Vas-y, place-toi. Pendant qu'on joue à notre jeu. Yo, ça, c'est un artiste là. Tu sais que yo. Yo, il s'est dessiné. Emmanuel, première question. Explique-nous quel genre d'artiste que tu es. Je suis un artiste portrait. J'ai fait des portraits des noirs, comme il faut. Puis mon but en fait c'est de mettre des espèces de beauté dans les expressions en fait. Ok. Ouais. Puis Ada, ton expérience. Deuxième question, ton expérience au fisteux, comment ça se passe? Oh c'est nice, c'est dope, c'est dope, c'est dope, c'est dope. Ok, lui n'est-ce pas? Oh! Yo, mais il a le droit sur ricochet? Oui, il y a eu le droit, c'est rentré. Non mais ça fera un ricochet, oui. Bré. Ok. Bré. Hey, one shot, pussy wild. Il y a un baguette baguette. Non, j'ai dit qu'il va rien avoir ici. Hein. Dégueu. Tu vas rien avoir ici. Tu vas rien avoir ici. Ok. Il a dit de tout pussy, mon gars. Ok. Et je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu es un artiste dans ce genre d'art-là, peintre et tout? Ouais, ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais, 7 ans. Mais en tout cas, ça va me prendre une shot à rentrer. Ouais. Normal! Normal! L'art de parler caca, on appelle ça l'art de parler caca ici. On appelle ça l'art de parler caca. Tu vois, tu comprends? Un de niaiser. On prend 3 parties, 3 shots. Ah, bon, yo, shit. Hey, yo, tu sais combien? Samara, merci. Merci. Let's go. Yo. Tu as vu le complet, non? Je t'ai vu, là. Let's go! Donc, j'avais même pas entendu ta réponse. Ça fait combien de temps t'es dans l'intérieur? Tu t'es peint comme ça? Combien de temps? 7 ans? Ça fait 7 ans, ouais. Ok, tellement je suis chaud pour prendre ma shot. Ok. Let's go. Dernière shot. Merci, Emmanuel. Merci. J'espère que ton expérience va continuer à bien se passer. J'allais de voir les créations. Non, passez. J'allais voir. Ouais, on va aller regarder ça tout à l'heure, là. Est-ce que tu penses que tu veux faire un bel croquis de moi? Ben oui, facile. Tu penses que tu veux faire un six-pack? Facile. Let's go! Facile, ok. Merci beaucoup, Emmanuel. Enjoy the show. Yo, on est back. L'ambiance est on. Regardez les tafs. Vous avez manqué 30%. On vous a dit en plus. LCDA vibe. Bon, maintenant on a un vidéaste. What? Le vidéaste. Tout à l'heure, on avait le DJ de Remastered. Oui. Maintenant, on a le vidéaste qui est là. On a Yannis. Yo, c'est lui qui a toutes les exclus, oui. Exactement. Lui, il filme toute la brume tout ici. Exclus, tout ce qu'il y a dans le bac, je connais. Ok. Yo, Yannis. Ouais. T'es ready? T'es ready à jouer au jeu? People? Ok. Okay. Take your position. No homes. Pause. No homes. Yo, dis-moi,
faut que tu me dises comment t'as calculé devenir un vidéaste. Honnêtement, vas-y. Oh, garde du lac, let's go. Attends, mais je vais faire déglinguer, bouge pas, vous voyez. Ok. Kobe. Comme ça, oui. Pour une fois, Gardilac a une shot dans sa vie, mon cher. Cash! Oh, c'est trop. C'est vraiment fort, man. Ok. Oh, mais c'est ça, comme ça, oui. C'est à ton tour, tu peux prendre. Ok. Fait, ouais. Comment le vidéaste, comment ça a commencé? Ok, comment ça a commencé? Tout d'abord, j'ai créé un concept qui s'appelle le H7N Freestyle. Ok. En gros, c'est... désolé, bro, le truc, il m'a... Ouais, fait. En gros, j'ai créé un concept qui s'appelle le H7N Freestyle. C'est devant un bâtiment, c'est en noir et blanc, et on rappe l'un derrière l'autre sur une prod. Et oh, okay. Vu que j'avais pas les moyens de le faire, je l'ai fait de moi-même. J'ai loué une caméra et tout, donc je suis devenu vidéaste. Okay. J'ai adoré le concept et je suis devenu vidéaste par la suite. J'ai commencé à filmer des concerts à droite à gauche et j'ai rencontré Sam et Fares, Frank Skello qui est juste là. Ils ont aimé mon travail, ils m'ont engagé pour que je filme tout ce qu'il y a. Prends ta shot maintenant. Vas-y, man. Vas-y. Oh maintenant, explique-moi. C'est la commune, c'est ça? La quoi? C'est Remastered. Remastered, ouais. Ça commence. Yo, quand l'alcool rentre en jeu, ça vient, débab, ça vient d'où ça? Explique-moi. Remastered, ça vient d'où ça? Le nom? Ouais. Ok. Ah. Yo, Farah, ça va falloir que tu mettes. Ça vient d'où Remastered? Yo, ça vient d'où Remastered? Ok. Non. Ça fait combien de temps que tu as joint le groupe Remastered? Ça fait combien de temps t'es avec eux là? Je pense fin 2023, début 2024 environ. Ok, ok, je pense ok. Plus fin 2023. Ok. Ouais, fin 2023. C'est à ton tour de prendre un choc. C'est à ton tour. Vas-y. Oh mon dieu, ok, toi, tu visais vraiment pas. Dernière question. Dernière question. C'est quelle vidéo que t'as le plus enjoy à filmer? Ok. Cacavo, hein? Quelle vidéo qui serait ta préférée où tu dirais que tu as plus aimé travailler dessus? Honnêtement, il y en a deux. Il y a un des artistes qui s'appelle Mac de Fire, qui est très très fort, que j'apprécie beaucoup, qui est allé faire les premières parties de beaucoup d'artistes. Okay. Et moi, je viens filmer son concert et j'adore à chaque fois parce que l'ambiance est incroyable. Il y a aussi la release party de Frank Skello pour son EP, okay. Mon ami la Lune. Je suis venu, j'ai filmé et puis l'ambiance était vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré que le... Après ça, je suis allé en France et j'ai tout monté dans l'avion avec lui. Ta dernière shot, oui. Ta dernière shot, Yannis. Ta dernière shot. Est-ce qu'il peut porter le nom Yannis? Oui. Oh! Bien sûr, les gars, Yannis! Putain, l'heure, je niaise. Bouais. Le dernier. Bouais, Gardilac, bouais! Allez! Ok! Yo, Yannis, merci de t'avoir porté au jeu avec nous. Yo, j'espère que ton expérience que tu vas avoir au Fistu va être vraiment nice. Continue ton travail. Merci vos trucs, les gars. Yo, merci. J'apprécie. On aime le support. Je vous laisse avec Frank. Yeah, let's go! Ok, on est back. Yo, là, on est en train de. Yo, le collectif Remastered est en train de take on veut. Ils sont en train de take on veut le backstage. Yo, shout out à Remastered. Là, on a un rappeur du groupe. Franz Kello, c'est ça? Yes, sir. Ok, Franz Kello. Salut. Pas Kello, Kello chez les bizarres. Pas Kello, Kello. Je sais que les parents veulent prendre le bail pour moi. Kello, Kello. Non. Kello. Ok, est-ce que t'es prêt à jouer au jeu? Mais oui, bro, je suis prêt. Ok, Franz, let's go. Allez. Yo, j'avais oublié qu'on avait des parents dans la place pour de vrai, oui. Yo. Let's go. Bon, Franz, vu que t'es un rappeur du collectif, ouais. Comment le nom s'est fait Remastered? Pourquoi Remastered? Ça, c'est des choses que je peux pas révéler, malheureusement. Oh. Wow! Oui. Yo, il faut arrêter de niaiser avec Hollywood. Yo, go, tu sais. Damn. Non. C'est vrai, ok, c'est... Le nom Remastered, comment vous avez trouvé le nom? Yo, tu veux que je te dise la vérité? C'est pas moi le créateur de Remastered, donc je peux pas te donner la réponse. Ah! Yo, y'a trop de monde dans ce groupe-là! Y'a trop de monde! Yo, vous êtes trop! Don't worry about that, tu comprends? Ok. Don't worry about that machine. Ok. Yo, c'est ta shot. Vas-y. C'est quoi l'ambiance d'être... C'est ta shot, oui. Vas-y. C'est quoi l'ambiance... Oui. Gaucherie off! C'est quoi l'ambiance d'être avec Remastered? Oh, yo! En plus, on a donné deux shots. Ok. En plus, il y a bouché ses yeux. Parce que j'ai pris. Ok, on va donner ton nom.
Ton expérience au Fisteux à date, comment tu trouves ton expérience? Excellente. Et le Fisteux, c'est ultra cool. Tous les gens qui sont ici, ils sont passionnés. Ça ouvre la porte à tellement de choses. On est trop content d'être ici, toute l'équipe, honnêtement. Ok, ok. Mais tu vas pas être content après cette shot-là. Regarde la shot. Il est malade. Il est malade. Regarde la shot. Il est malade. Ok, moi, faut que je drop le mic pour me concentrer, tu comprends? Ok. Tsipoussi. Oh! Presque, presque. Ok, yo. Yeah. Je m'échauffe, faut que je m'échauffe. Ma dernière shot. C'est la dixième game, là. Oh, shit. Ok. Donc, Remastered. On va pas lui demander. On lui a déjà demandé, il sait même pas comment le nom a commencé. Son ambiance est à 100. Est-ce que tu rappes solo aussi ou bien c'est juste avec Remastered que tu rappes? Ben en fait, je rappe solo. Je suis représenté par Remastered. Je fais aussi partie de l'équipe du studio Numa. Ok. Qu'on a ouvert. D'ailleurs, si vous voyez ça, vous faites de la musique, vous voulez un studio. Ok, promotion. Let's go. Promotion. Yo, après ma shot, est-ce que j'ai un rabais au studio? Yes, sir. Je rentre ma shot. Yes, sir. Yo. Oh! Hey. Genre, j'ai besoin de rapper. On avait prévu de... Yo, j'ai enragé. Oh! Let's go. C'est que le début. Bré. Franz Kello. T'es un chanceux. À la tienne. Oh mon Dieu. Yo, bois la forme un petit poussi. Ça rentre. Merci beaucoup pour t'avoir porté au jeu, Merci France. Merci beaucoup, mon cher. J'espère que ton expérience au Fisteux va continuer d'être une belle expérience. On l'espère. J'espère que t'as aimé notre petit chill Chronique des Alcooliques. Merci beaucoup à vous, Chronique des Alcooliques. Je vais taper. Oui, oui. Yo, tout à l'heure, je vais tomber sous la caméra. Oui, monsieur. Cash. Yo, guys, cap! Vous avez vu mon fer Tower? Je commence à être Funiman, oui, là. Cash! Yeah. Pas plus Funiman que Gardilac, ça, c'est cash. Yo! Là, aujourd'hui, là, live? OK. Wilco, a.k.a. Lio, je connais bien ma position. N'est jamais sous pression. OK. Il connaît les limites. Yo, les gars! Je suis saisi. Bon, tu vois, c'est ma idée. Yo! On a le world champ dans le building. On a le world champ. If you don't know, you're about to know. Wilco dans le building. Yo, Wilco. Ça va faire. Comment ça se passe, ton fisteux? Mon gars, je suis là, mon gars. Belle ambiance. Yo. Okay. Yo. Je suis avec la psy, tu es nu, tout bagaille. OK. Mon gars. Je sais que tu as un solide roulé nec dans le ring. Pause. Mais est-ce que, yo, t'es est-ce ready t'es pour jouer à jouette? Beer pong, normal. Ça, j'ai jamais dit. Yo, Wilco, Wilco, c'est un vrai athlète. Oui, il a joué tous les sports en plus. Yo, Wilco, il a joué tous les sports. Moi, ouais, je sais. Yo, moi, Wilco, on se connaît personnellement. Yeah. Je sais que yo, je t'ai connu comme depuis date. Yeah. Yo, en tout cas. Il faut que tu m'expliques comment t'es devenu un fucking lutteur. Ouais, tu ne peux pas me dire comme si depuis way back, t'écoutais pas WWF. Cash. Moi, je n'ai grève. Poche. Tu peux le laisser partir pour l'instant. Moi, je tenais grève et puis j'ai juste décidé de yo. You know what? Attends, il faut que ça fasse un bon puis ça rentre. Non, faut que ça rentre. Ça peut faire un ricochet, mais il faut que ça rentre. Wouch! Fait que lutteur. Yeah, man. Et puis j'ai juste décidé, you know what? Avant COVID, j'étais down. J'avais été à WrestleMania 35. Oh, wow, OK. Wow, j'ai vu Kofi gagner. Puis là, quand j'ai vu Kofi, j'ai dit get, man. Gale, j'ai foiré. Comme si j'aurais pu. Après le football, j'aurais pu faire un petit jump comme de voir. OK! Athlète! Là, j'ai pris une photo, puis le coach a juste vu la photo. La photo est devenue virale. J'ai demandé à tout le monde, c'est quoi vos favorite wrestlers? Tout le monde a commencé à commenter. Puis là, lui, il a dit, yo, viens pour une pratique. J'ai dit, yo, je ne suis pas sûr, bah, les balles sont peut-être tout late. Il m'a dit, non, viens pour une pratique. J'ai dit, ah, let me come. Yo, c'est fucking nice. Puis je suis juste allé, bro. Puis yo. Il m'a dit, yo, you got potential, go ahead. Est-ce que c'est une décision personnelle que ton outfit, ça a été pas mettre le caleçon? Il parle. OK. Mais yo, les lutteurs, c'est pas en caleçon. Pause. Hey, yo. La question est prise, mais c'est Gardilac qui est mise. Les lutteurs sont en caleçon. C'est Gardilac. Oh! Ça a fait. Yo, il y a le droit, oui, en plus. Il y a le droit, c'est vrai. C'est vrai. T'es même pas obligé de prendre le straight shot, c'est vrai. Si tu veux laisser un bounce, t'as le droit à un bounce. Qui est intelligent? Oh, yo, laisse-moi te poser une vraie question. Yo, j'ai vu que ton premier title, t'as gagné le tag team champ. Yo, c'était quoi le feeling
que tu fais quelque chose que tu aimes et tu es un champion dedans. Mon gars, le feeling était tellement dope. La famille était là, la madre était là, tout le monde était là. Je peux pas dénier que j'ai la gueule. Mais yo, mais qu'est-ce que c'est où, mais non. Non, for real, great, great feeling. Porsche. Comment ça va être? Porsche. T'es sauté là, Gardilac? Vas-y, 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 Wilco. Ok. Puis yo, non seulement t'as été tag team champ, là maintenant t'es le world champ là. British Commonwealth World Heavyweight yo, Champion. Yo, ouais. Comme individuellement t'es un champion aussi. Champion. Yo, là t'es double up là. Ça c'est des ceintures que Finn Balor a gagné et Adam Pearce a gagné, Kozlov a gagné. Wouh. C'est yo. C'est des vraies ceintures là. Yo. Ah c'est les vraies ceintures. Ouais. Okay. Yo c'est quoi yo. Là, t'as gagné en team, là, t'as gagné individuel. Ouais. Yo, ça doit être encore plus fou. J'ai besoin de prendre une dernière shot. Vas-y. So, yo, ma dernière question. Vas-y. What's next for Wilco? Je pars en tournée. Tu pars en tournée? OK. Je m'en vais en Irlande. Oh! Je peux que je en Afrique. Oh! Ouais. So, OK! C'est yo. Ça, qu'on soit pas confirmé. Prends ta dernière shot. On a le droit à 3 shots, mais je vais prendre 4e parce que faut briller. Allez, non. Poche! Oh. Yo, Wilco, prends ta dernière shot. Ok. Wilco. T'es prêt? Ouais. Ah. Yo, t'avoir eu, Wilco. Yo, Wilco, merci d'avoir prêté à ce jeu. On va depuis way back. Yo, way back. Quand je dis que c'est un athlète, yo, le partner, football, basket. Non, basket, c'est pour ça que je dis athlète. Basket. Yo. Yo, lift weight, tout le monde. Yo, trainer. Yo. Non, non, sois solide. C'est solide. Anyways, yo, enjoy le fister. Yeah, we out. Let's go. Let's go. Quelle l'ambiance, monsieur. Les beats sont on. Let's go. Là, on a un artiste, justement un artiste qui vient de finir sur le stage. Woo. Donc là, yo, monsieur besoin est beau et live. Yes, il est sous console normal. Normal. Donc, on a Little Yann dans le building. Yo, Yann, est-ce que tu es prêt à jouer au jeu? Ouais, moi, je suis prêt. OK, prêt. Donc, je vais te poser des questions. Okay. On a 3 chances chaque. OK. Et puis... Tu vas boire aujourd'hui. Tu vois que c'est un vrai artiste. T'as vu comment il tire le mic, le fil, comment il tire là? C'est naturel. Léloyan, c'est naturel. Première question. Yes. Ton expérience au fisteux, comment ça se passe? Normal! Yo! Il faut arrêter de niaiser. Ça fait combien de shots de suite? Ça non, fait combien de shots de suite, Gogo? C'est fort. Yo, Henley! Arrête de. Yo! Regarde-moi pas, Gardi! Ah, mon shit! Donc, il répond. Comme shit que j'ai rentré, vous savez, mon gars! Laisse-moi répondre à la question! Yeah. Ton expérience en fisteux, comment ça se passe? Ben, franchement, déjà, dès la première fois qu'on m'a booké et quand ils m'ont approché, j'ai compris que c'était des gens très sérieux, très carrés. Et depuis là, je suis venu aujourd'hui, soundcheck très carré. Je suis très content d'être là. Ils se sont bien occupés de moi comme il fallait. Et franchement, j'ai passé un bon moment sur la scène. Sincèrement, tu me fais penser à Léo Uzi Vert, mon gars. Ah ouais, à cette fois. Prends ta shot, t'as une shot. Prends, c'est à ton tour. Ça à son tour. Oh, t'as bu? T'as pas bu encore? Mais si je bois pas d'alcool, on fait comment? Ah. Ok. Prends ta shot. Ok, va prendre ta shot. Et du coup, là, je dois poser une question. Non, c'est moi qui pose des questions. Oh là là, mais les gars, mais pourquoi je joue? Lance ta chute. Après, je vais te laisser une question après que j'ai fini mes questions. Ok. Je sais pas si je suis bon en ça. Ok. Mais c'est de la triche, je vois les vers sont écartés et tout. Non. C'est pas grave. Ok. Tiens. Hollywood, ça lui dérange pas. Yo, Little Yann, sur ton accent, t'as peur. T'es né ici? Non. Ok, c'est ça. Explique-nous d'où tu viens parce que sur ton accent, on sait déjà que tu viens pas de Montréal. Ça se voit. Ouais. Vas-y, explique-nous. C'est ça. Moi, est-ce que tu vas réussir d'abord? Et bois! Et bouh! Mais c'est ça. Moi, en fait, je suis né au Gabon. Je suis né au Gabon, Afrique centrale et tout. Et ma mère aussi est française. Du coup, c'est pour ça que tu vois ce petit accent. Exact. C'est ça. Et je suis arrivé à Montréal en 2021. Je faisais déjà de la musique auparavant au Gabon. Avec, tu connais, les Afrobeats, j'écoute beaucoup de musique du Nigeria. Donc, c'est un peu de là d'où je viens, je dirais, l'Afrique en général. Ok. Et puis, je suis très content de faire écouter ma musique à Montréal aujourd'hui. Nice. Cool. Vas-y, prends ta shot. C'est à ton tour. Je sais même pas si je vais en mettre un. Non, mais il faut avoir confiance.
Ah. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Et ma dernière question pour toi, Little Yann. Let's go. C'est quoi les prochains plans pour Little Yann après le fils 2? Little, okay. Little. Ouh, t'es chanceux. Presse. Oh, presse. Toi, t'es... Si. Hey, t'as pas le droit de parler fort ici. C'est moi le main guy. Non. Yo, arrête de niaiser. Mais du coup, c'est ça, les plans après le Fister. J'ai fait une exclue sur la scène. Ok, c'est nice. C'est la première fois que je présentais cette chanson. Et du coup, là, ça veut dire que dans quelques semaines, il y a un nouveau son qui sort. Il y a un nouveau projet qui sort. Et je vais certainement aller me ressourcer en Afrique, histoire de faire un projet. Nice. Faire un projet en Afrique avec l'environnement et l'atmosphère. Donc, c'est ça. Je vais prendre mon temps et je vais revenir bien fort avec quelques performances aussi. On n'oublie pas. Ouais. Yeah. Et la Afrique a besoin de podcasts comme nous, là. Exactement. Yo, ouais, hein. Si t'as besoin qu'on fasse le tour avec toi, yo, check-nous. Yeah, no problem. Check-nous. No problem. Ça yo, fait Yann, une collab. Little Yann. Yes, ravi de t'avoir rencontré. Continue ton travail. No Let's problem. Go. Merci beaucoup. Parfait. Yo, yo, guys, on a dû prendre un petit break. Après tout le tafia qu'on frappe, faut qu'on mange un peu. Ouh, l'ambiance est à 1 million. Just like the Hollywood Million Dollar Voice. You already know the vibe. Là, maintenant, on a le boss. Le créateur. Fondateur. C'est lui qui a mis ça sur pied, oui, monsieur. Alex est dans le building avec nous et il va jouer au beer pong avec nous en plus. Alex, let's go! Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. On a du monde, ça rentre. On a des performances de qualité. Les gars sont là. Yeah. Les chroniques, des alcooliques sont là. Donc non, tout va bien. Je suis grâce à Dieu. Ok, nice. Tu peux te placer, hein? Bon, là, Alex, on va jouer un petit jeu. Ok. Gardilac va te poser 3 questions. Tu vas avoir 3 shots aussi. Et pendant qu'il donne ces questions-là, tes réponses, tu prends ta shot. Dis-moi, allez-y, monsieur. Comment tu as eu l'idée de créer le fisteux? Poche. Je peux y aller ou... Ouais, okay. Tu réponds à sa question en même temps. Ben en fait, la manière, c'est que il y a eu la pandémie et j'ai une artiste et je voyais qu'elle souffrait parce qu'elle n'était pas en mesure de trouver des poche. Mais yo, tu me demandes de faire 5 choses en même temps, là. Laisse-moi pas les répondre, non, vas-y. Et puis, alors je me suis dit, OK, il y avait une opportunité de faire une plateforme et mettre tous les artistes au même endroit. Et aussi, pour que ça soit plus facile pour les créateurs d'événements, donc j'ai créé ça. OK. C'est quoi tes critères de sélection pour les artistes à ton festival? Ça, c'est une bonne question, mais la chatte a pas suivi. Fire! OK. Deux shots. Les gars ont manqué tous leurs shots. Donc, le critère de sélection. Le critère, c'est rigueur. Rigueur, qualité du travail. Présence scénique. OK. Parce que même s'il y a des artistes, c'est leur premier festival, on voit comment ils bougent dans des shows. Et de aussi avoir un bon contact, qu'on a une première conversation avec eux. Parce qu'on veut leur donner des opportunités. Donc, ce sont mes plus grands critères. Vas-y, c'est à qui là? Vas-y, salut. Oh. Mais il a failli réussir là. Football. Non, parce que je vois qu'il voulait. Vas-y, là, tu veux les lancer. T'es vas-y, chaud. Vas-y. Wouch! Almost! Bon, dernière question. Fisteux, où tu vois que ça va aller dans les prochaines années? Parce que c'est sûr que tu as déjà un plan et une vision par rapport au futur. N'importe quoi. Je pense que ça va être la plateforme de lien entre les artistes et les événements. Et j'espère qu'on sera dans plusieurs pays pour vous donner un chiffre, au moins 25 pays. Oh! Okay. Big blend. Oh, almost. Alex, merci de t'avoir prêté au jeu. Qu'est-ce que t'as? Là, t'es sous triché? Il faut un gagnant, il faut un gagnant. OK, à cause que tu es le founder, on va te laisser prendre des shots. Oh! Gardez la dernière chance. Poche. OK. Merci à toi. Yo. Oh! Oh! Lance! Yo, guys, les chroniques des alcooliques, on est back. J'ai perdu mon soldat. Il est fini, main. Vous avez Hollywood, colonne droite. Je suis toujours là. Là, live, monsieur, on a une belle artiste qui est au fisteux qui vient de performer. On a Aïcha.
Aïcha, merci de porter au jeu. Comment, première question, avant même que je prenne une shot, comment se passe ton expérience au Fisteux? Franchement, super bien. Je suis vraiment heureuse. Les gens étaient vraiment énergiques. Puis j'ai une belle expérience. Je suis fière de moi. OK. Yeah. Je vais prendre ma première shot. C'est moi qui vais prendre la première shot. Ouh, that was close. Vas-y, tu peux prendre une balle là. En avant, vas-y. C'est à moi? Vas-y, prends une shot. Prends une shot. Oh, elle est smart. Elle est smart. OK. Deuxième question. Oui. Aïcha. Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie de chanter? Parce que j'ai vu que tu as une belle voix en plus. Est-ce que ça fait longtemps que tu chantes comme ça? Ouais, ça fait, on va dire, peut-être presque 10 ans là. Ah ouais? Ouais, je suis née dans la musique. Je suis née dans la musique. Puis la musique, que tu as pris ça au sérieux là, pour de vrai. Ça fait tout ce temps là. Ouais, en fait, non. Depuis que je suis petite, c'est ce que je veux faire. OK. C'est juste que j'avais des craintes, j'avais des hésitations, mais maintenant je suis lancée. OK. Je vais prendre ma deuxième shot. Ouh! Vas-y, okay, prends la tienne. C'est pas grave. Dernière question. Yes. Où tu vois Aïcha après le Fisteux? C'est quoi tes plans? C'est quoi les choses à venir? Francophonie de Montréal. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? OK, je vais faire les Francophonies de Montréal le 14 Francophonie, juin. Francophonie, nice! Oui, puis Oshaga aussi. Oh! Le 4 août. OK! You're doing big things! Yes! I'm a, you know! OK, c'est fait. Bon, je suis content pour toi. Vas-y, je vais te laisser prendre. Oh! Elle l'a eu. Je vais prendre ma dame. Attends, laisse-moi. Je vais boire mon shit. Oh my God! Ma dernière shot. Go! Ah! OK, Aïcha, merci de t'avoir porté merci au jeu. Merci à toi. J'espère que tu aimes bien ton expérience au Fisteux. Oui. Tu vas continuer la soirée, tu vas chiller avec tout le monde, là? Tout le monde. OK. J'ai un deuxième passage, attention. Oh, OK. Potentiel avec mousse. Oh, nice. OK. Oui. Elle retourne sur la scène. On va la laisser. Merci encore. Merci. Passe à toi. Une bonne soirée. Courage. Let's go. Bisous.